Oh, il n'y a pas beaucoup d'inventions dont la priorité n'ait pas été disputée. L'invention des logarithmes, c'est un exemple. Par contre, pour la règle à calcul, qui est la traduction mécanique des logarithmes, c'est beaucoup moins clair. L'inventeur des logarithmes, c'est John Napier, baron de Merchiston en Écosse, mais comme je vous raconte ailleurs ces bizarreries, je ne vais pas recommencer. Son invention date de 1614, la description de la mirifique règle des logarithmes. Henry Briggs, qui a une grande admiration pour Napier, va faire beaucoup pour populariser l'invention. Beaucoup, c'est-à-dire au moins calculer et publier les logarithmes en base 10 de tous les entiers de 1 à 20 000 et de 90 à 100 000, avec pas moins de 15 décimales, comme vous le voyez. L'invention des logarithmes fait gagner énormément de temps, en particulier aux astronomes. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de gratter encore un peu de temps, quitte à perdre un peu en précision? Ce moyen, c'est Edmund Gunther qui en a eu l'idée le premier. Il s'agit simplement de graduer une règle avec une échelle logarithmique. Sur une telle règle, ajouter deux longueurs, donc deux logarithmes, et c'est calculer le logarithme de leur produit. Le premier à décrire la méthode est un autre Edmund, Wingate. Comme l'invention des logarithmes se répand très vite dans toute l'Europe, il y a une sorte de course à la publication, déjà. Ce livre paraît à Paris, il est traduit aussitôt en hollandais. Voici la règle à échelle logarithmique selon Wingate, et voici son explication. Que le multiplicateur donné soit 25 et le nombre donné à multiplier 30. Ouvrez le compas depuis le point qui représente 1 jusqu'au point qui représente 25. Appliquez la même ouverture depuis le point qui représente 30. La pointe mobile se reposera sur le point qui représente 750, le produit requis. Oh, le principe qui consiste à ajouter deux longueurs pour obtenir le logarithme du produit est bien là. Sauf qu'il faut un compas pour reporter les longueurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de se passer du compas? Eh bien si, en posant l'une sur l'autre, deux règles de Gunther, qu'on fait glisser l'une par rapport à l'autre. Une règle à calcul, ce n'est rien d'autre. C'est cet homme, William Oughtred, qui a eu l'idée de poser deux règles de Gunther l'une sur l'autre. L'invention ne sera publiée qu'en 1633, après une belle querelle de priorité. Mais d'abord, qui était Oughtred? Il était petit, il avait des cheveux noirs et des yeux noirs, avec beaucoup d'esprit. Sa tête était toujours en train de travailler. Il traçait des lignes et des diagrammes dans la poussière. Parfois, il se distrayait en faisant du tir à l'arc. Et parfois il faisait des bornages de terrain. Il était alerte et actif, même à plus de 80 ans. J'ai entendu les curés des paroisses voisines dire que c'était un prêcheur pitoyable. La raison en est qu'il n'y prêtait pas attention, parce que toutes ses pensées étaient consacrées aux mathématiques. Mais quand il fut en danger d'être incarcéré comme royaliste, il se plongea dans l'étude de la divinité et se mit à prêcher, dit-on, admirablement bien, même à un âge avancé. On a aussi son propre témoignage. Mes récréations ont été la diversité de mes études, et chaque fois que j'étais accablé par les tâches de ma profession, j'en ai allégé la nuit. En me promenant dans les champs élyséens des domaines divers et variés, de la connaissance humaine, et pas seulement des mathématiques. Il y a longtemps, quand j'étudiais les mathématiques, j'ai essayé de nombreux moyens pour me fabriquer de bons cadrans ou des instruments de poche pour trouver l'heure et aussi d'autres résultats.
J'ai fabriqué pour cela des quarts de cercle, des anneaux, des cylindres et beaucoup d'autres instruments. Cependant, je n'ai rien obtenu qui me satisfasse pleinement, car soit ils étaient peu performants, soit ils étaient surchargés d'un grand nombre de traits qui les rendaient peu naturels. Donc, son goût pour les instruments ne date pas des logarithmes. Pourtant, je n'accorde aucune valeur aux instruments. Si j'avais ambitionné la gloire, ou si je leur avais accordé suffisamment de prix pour me sortir de mon obscurité confortable et tranquille et m'élever jusqu'à la gloire et la connaissance des hommes, j'aurais pu faire cela il y a de nombreuses années. Et il n'a pas l'air content. La connaissance véritable ne s'obtient pas par les instruments, mais par la démonstration. C'est une prétention grotesque des artisans de transformer ceux qui les étudient en des faiseurs de tours, comme si c'était des jongleurs. Cela induit le mépris de l'art, la perte d'un temps précieux. Cela détourne des intentions volontaires et industrieuses vers l'ignorance et la paresse. L'usage des instruments est excellent, s'il est confié à un véritable scientifique, mais méprisable s'il s'oppose à la science. Là, c'est clair, il est en colère. Et il est en colère contre quelqu'un. Qui est donc ce faiseur de tours? Il s'appelle Richard Delamain. Il est beaucoup plus jeune que Hautred. Au début, il s'entendait très bien. Hautred lui a appris les mathématiques, comme à beaucoup d'autres élèves. Il lui a parlé des instruments qu'il avait pu fabriquer dans sa jeunesse. Il lui a peut-être parlé aussi d'une idée qu'il dit avoir eue dès 1620 pour graduer des règles et des cercles avec la nouvelle échelle des logarithmes. Toujours est-il que dans ce livre de 1630, Delamain décrit une invention qui consiste en des cercles concentriques gradués selon l'échelle logarithmique. L'invention est présentée comme la sienne, et ça, Hautred ne le supporte pas. Le problème est que nous avons surtout le son de cloche d'Hautred, donc forcément, le bad guy, c'est Delamain. Être traité de faiseur de tours et de jongleur, ça ne lui a pas fait plaisir à Delamain. Alors, il se défend. Pour ceux qui voudraient avancer dans ce genre de connaissances, dont la seule recherche est la rapidité et la facilité, l'opinion unanime est qu'ils seront mieux servis par l'instrument que par des démonstrations fastidieuses. Ce n'était pas bien de les insulter si grossièrement, pas seulement dans ce qu'ils ont pratiqué, mais aussi dans leur liberté de pratiquer ce qu'ils souhaitent. Alors, Hautred, Delamain, il est probable que l'idée originale soit venue d'Hautred. Il y a peut-être ambiguïté pour les cercles à calculer, mais la règle plate, la règle à calcul, est bien l'invention d'Hautred. De notre point de vue, la querelle est un peu vaine. On ne voit pas bien en quoi poser deux règles l'une sur l'autre a pu représenter une avancée aussi cruciale. Et ce n'était pas si évident. La preuve est le temps qu'il a fallu pour perfectionner et surtout diffuser la règle à calcul. Il faudra environ un siècle pour qu'elle prenne sa forme définitive, c'est-à-dire pour qu'on fasse coulisser une règle mobile entre deux règles fixes, et aussi pour ajouter un curseur. Il faudra longtemps aussi pour qu'elle se diffuse hors d'Angleterre, alors que les logarithmes avaient été adoptés immédiatement sur le continent. Voici l'édition de 1709 du traité de la construction et des principaux usages des instruments de mathématiques. Le livre est de Nicolas Bion, qui se présente comme l'ingénieur du roi pour les instruments de mathématiques. Nous sommes sous Louis XIV. Le livre contient quantité d'instruments. Il contient en particulier la description du compas de proportion, qui est formé de deux règles articulées, gradués sur leurs deux faces. Mais il n'y est pas question de graduation logarithmique ni de règle à calcul.
Voici la traduction anglaise de ce livre. Elle date de 1723, soit un siècle après la règle de Gunther. Voici ce qui est écrit en rouge au-dessous du nom de Bion. Ont été ajoutés la construction et l'usage des instruments qui ont été omis par M. Bion, en particulier ceux qui ont été inventés ou améliorés par des Anglais, au premier rang desquels, bien sûr, la règle à calcul. L'essor véritable de la règle à calcul, comme d'ailleurs de toutes les machines à calculer, date du XIXe siècle. On perfectionne, on modifie, on améliore. La mode est aux instruments de poche, comme ce calculigraphe de 1876 ou ce calculimètre de 1881. Bientôt, on n'envisage plus une quelconque occupation qui requiert des calculs fréquents comme ingénieur, comptable, architecte, géomètre ou autre, sans avoir une règle à calcul avec soi. Jusqu'à quand cela a-t-il duré? Un bon témoin est cet homme, Isaac Asimov. Oh mais si, vous le connaissez forcément. Il est surtout célèbre pour ses livres de science-fiction. Mais il a écrit en tout plus de 500 livres dans sa vie, dont celui-ci. Une introduction facile à la règle à calcul. Il date de 1965. Il est dédié à une amie qui m'a accompagné et loyalement servi pendant 20 ans, ma règle à calcul. Pourtant, Asimov n'est pas particulièrement passéiste. Nous avons tous entendu parler ces derniers temps de calculateurs électroniques. Ces merveilleux instruments qui ont été introduits pendant la Seconde Guerre mondiale sont capables de faire en quelques secondes un travail qui prendrait des années si nous n'avions qu'un crayon et du papier. Les calculateurs électroniques sont volumineux, coûteux, compliqués et ne peuvent être manipulés que par des gens spécialement formés. Les calculateurs électroniques ne sont pas optimaux pour les problèmes de tous les jours. Ce serait comme tirer sur une mouche avec de l'artillerie navale. Pour une mouche, une tapette ordinaire, c'est bien mieux. Et pour les problèmes mathématiques ordinaires, il nous faut un calculateur simple. Il existe un calculateur simple qui a été inventé il y a 350 ans. Il n'est pas électronique. Il n'y a aucun courant électrique. En fait, ce n'est rien de plus qu'un morceau de bois avec des marques dessus. Ça ressemble à une règle, à part qu'il y a une partie au milieu qui peut coulisser. Et donc ça s'appelle une règle coulissante, slide rule. Je vous présente Goody. Il est gentil, mais entre nous, il ne sait pas bien se servir d'un ordinateur. Alors je lui prête ma règle à calcul. Eh bien oui, parce que j'ai ma propre règle à calcul. Quand j'ai commencé mes études de mathématiques, les calculatrices n'étaient pas encore répandues. Alors on achetait des tables numériques et une règle à calcul. Et maintenant, regardez l'ordinateur qui est en face de vous et posez-vous la question. Dans 4 siècles, vous croyez qu'il sera encore utile?